Au sommaire de cette édition, un jeûne partiel de 40 jours pour le réveil spirituel individuel et collectif a été organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous aurons également le témoignage de l'impact de la radio-télévision Voix de la Croix sur ses téléspectateurs en cette période de crise sanitaire. Toujours pendant cette crise sanitaire, les chambres de prière à Abidjan continuent de fonctionner. Nos reporters ont visité les chambres de prière d'Abobo, de Bingerville et de Port-Boué. Fini le confinement. En Côte d'Ivoire, la reprise des cours est effective. Depuis le 25 mai à Abidjan, l'école est ouverte et les élèves sont heureux de terminer leur année scolaire. À l'occasion de la crise sanitaire de la maladie à coronavirus, l'Église de Côte d'Ivoire s'est engagée dans un jeûne partiel de 40 jours pour le réveil spirituel individuel et collectif. Ce moment de sanctification et de retour à Dieu a commencé depuis le 11 mai et s'achèvera le 19 juin 2020. L'objectif majeur de ce jeûne vise la plénitude du Saint-Esprit, un exercice qui passe nécessairement par le renversement des idoles dans le cœur et l'abandon radical de tout péché. À cet effet, tous les dirigeants de zone, ayant vu l'urgence et l'importance de ce travail, ont relayé l'information dans les différentes familles, ayant bien entendu des supports de travail. Nous savons que la particularité de ce jeûne, c'est surtout le renversement des idoles du cœur afin d'être rempli du Saint-Esprit. Et le jeûne est bienvenu parce que chacun travaille pour se maintenir. Et par rapport à tous les enseignements que nous recevons tous les mercredis, je crois que le jeûne est bienvenu pour tenir l'Église en éveil. Chaque frère en éveil, chaque frère à travailler et à se sanctifier davantage. De toute évidence, depuis le 11 mai, l'Église est en éveil spirituel, car la pandémie de la maladie à coronavirus est manifestement l'un des signes des temps de la fin. Beaucoup pensaient qu'il fallait combattre la COVID-19. Or, comme j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, ça fait partie des signes de fin des temps. Qu'il fallait plutôt, pendant cette crise-là, cette difficulté qui était devant nous, fallait que les frères soient éveillés, s'ils tiennent debout, que si le Seigneur venait, parce que ça fait partie des signes de fin des temps, si le Seigneur nous trouve maintenant, il fallait que Dieu nous trouve éveillés debout. Et les frères sont partis ayant saisi donc ce fardeau-là pour travailler. Des temps qui prédisent l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui viendra sûrement dans toute sa gloire. Mais quand il viendra, trouvera-t-il l'Église en éveil? La prière ne manque pas pendant cette période de jeûne. À 18h, c'est la rupture et les fidèles le font dans un esprit de partage et de communion fraternelle. Les chambres de prière en Côte d'Ivoire ont toujours fonctionné, même pendant le pic de la COVID-19. À Abobo, comme dans toutes les zones spirituelles d'Abidjan, la prière a toujours existé. Quand le corona est venu, je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai visité les sœurs, je les ai encouragées. J'ai dit, c'est un combat. Nous, on doit être devant. On ne doit pas être derrière le corona. Et les femmes, je les ai motivées et on continue. Et maman Colette a dit de veiller les jeudis et de lui faire compte rendu les vendredis matin. Et je le fais. Ici, chaque cahier représente une chambre de prière, comme l'explique Madame de Gonzague, dirigeante de la chambre de prière à Bingerville. Il y a la chambre des actions de grâce, il y a la chambre pour la conquête de Bingerville, il y a la chambre pour la jeunesse et les enfants, pour le couple de Gonzague, pour les semeurs. Il y a également la chambre de prière pour les dirigeants, pour le monde, pour le pasteur endossé, et puis pour maman Colette et le pasteur Meunier Boniface. Plusieurs y consacrent leur temps, surtout les femmes. Ce jour, Madame Seri est venue prier pour la conquête de la nation ivoirienne. Et je suis venue ce matin pour prier à la chambre de prière, pour la protection des frères, et pour que les frères fassent, tous les frères de la nation ivoirienne, fassent effectivement le travail sur le renversement des idoles.
Donc c'est pour cela que je suis venue prier ce matin. La chambre de prière, c'est aussi le lieu saint, le lieu des transactions avec Dieu, le lieu où l'on contemple la puissance de Dieu à travers l'exaucement de la prière. Nous sommes à Port-Boué, à la chambre de prière chez les Kenom, qui existe depuis 2014 et dirigée par Maman Kenom, une femme qui, malgré les mesures restrictives liées à la COVID-19, a su s'adapter et emmener son équipe à tenir le programme habituel. Elle nous partage leur méthode de fonctionnement. Nous veillons le lundi, nuit et le jeudi. Mais par la grâce de Dieu, à partir du mois d'avril, les choses ont commencé à reprendre. Et les frères viennent la journée, viennent la nuit. Et 25 personnes durant le mois d'avril étaient régulières à la chambre de prière pour prier. Et nous avons reçu 88 visites. Et le mois de mai, ça a augmenté. 41 personnes sont venues régulièrement prier à la chambre de prière. Et nous avons reçu 122 visites. Ici, on prie pour le leader mondial et ses co-ouvriers, mais aussi les semeurs avec des bulletins de prière précis et détaillés, comme nous le constatons avec la sœur Victoire et Jennifer, qui, à partir d'un bulletin, investissent un temps dans la prière. Cette détermination des saints a permis d'avoir un bilan encourageant à l'exemple du mois de mai. Le volume de prière s'élève à 506 heures pour le mois d'avril. Et le mois de mai, bon, nous n'avons pas encore fini les rapports, mais ça nettement, c'est nettement mieux que le mois d'avril. Les saints sont plus que déterminés à davantage investir les chambres de prière dans cette période de détresse. L'école a ouvert ses portes. Après plusieurs mois passés à la maison à cause de la crise sanitaire, depuis le 25 mai à Abidjan, c'est la reprise des cours. Ici au groupe scolaire Abondance, situé en plein cœur du quartier Mbadon à la Riviera, le fondateur de l'école, M. Ouattara Dongui, explique l'effectivité de la reprise des cours dans son établissement et les mesures de sécurité contre la maladie à coronavirus. Nous avons continué à prendre d'autres mesures telles que la double vacation, c'est-à-dire diviser les classes en deux équipes pour permettre aux enfants de s'asseoir un par banc. Donc toutes les classes ici, les effectifs sont divisés en deux groupes. Nous avons un groupe qui vient les lundis et les jeudis, un autre groupe aussi qui vient les mardis et les vendredis. Cela nous permet de faire asseoir un enfant par table-banc pour pouvoir respecter la distanciation sociale qui fait partie des mesures barrières. Il ne manque pas également de souligner l'impact que cette crise a sur son établissement. L'école a fermé à partir du 16 mars et jusqu'à cette date, il y avait déjà beaucoup de parents qui n'avaient pas fini de solder la scolarité des enfants. Et donc, avec cette fermeture, beaucoup de parents n'ont pas soldé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a libéré les élèves de la maternelle. Donc tous les élèves de la maternelle qui n'avaient pas soldé sont partis avec l'agent de la scolarité. Et même ceux du primaire qui sont revenus, c'est difficile. Cette crise, tout le monde a subi les conséquences de la crise. Donc il y a des parents qui actuellement même ont des problèmes pour manger ou pour payer le loyer. Donc quand on les interpelle, ils nous font savoir clairement que c'est vraiment compliqué. Et nous-mêmes, puisque nous voyons, on est obligé de laisser, on ne peut pas mettre une certaine pression. Donc c'est vraiment un sérieux problème pour nous, mais on fait avec, c'est la crise. Donc l'impact économique est vraiment réel ici. Le dispositif du lavage des mains installé à l'entrée de l'école, la distanciation sociale, et le nombre restreint des élèves par classe rassure plus ou moins les parents d'élèves. On est rassuré parce que les enfants portent les cache-nez pour venir. On n'a pas de problème. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Tout le monde ne vient pas aussi. Donc, ils ne sont pas trop chargés aussi dans les classes. Donc, ça va. Toujours dans le cadre de la reprise des cours à Benjerville, les enseignants de la CMCI ont mis sur pied un groupe d'études afin de renforcer les capacités des élèves en classe d'examen
comme nous l'explique Madame Douan, professeure de français. Donc cette année, compte tenu de la reprise des cours et aussi des examens, on a préféré statuer sur les élèves de la troisième et la terminale. Et à cet effet, nous faisons, au niveau de la troisième, nous travaillons généralement en dictée question, la composition française, c'est-à-dire le test argumentatif et le résumé de test. Cette année, notre slogan à Bengerville, c'est vraiment la réussite, quelles que soient les circonstances. Pour les bénéficiaires, c'est une opportunité à saisir pour réussir coûte que coûte leur examen. Depuis que les cours ont repris, je suis un peu heureux parce que je vais pouvoir finir l'année scolaire et pouvoir participer à l'examen. J'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir en travaillant avec des frères de l'église de la CMCI. L'église a eu l'idée de nous aider, nous qui sommes encore des amis, et surtout nous qui sommes en cours du soir parce que actuellement les professeurs ne viennent plus et l'école est fermée. Vraiment, je bénis le Seigneur, je suis très reconnaissante au Seigneur pour cette organisation. Les cours ont bel et bien repris et les élèves sont heureux de savoir qu'il n'y aura pas d'année blanche malgré la crise sanitaire. Alors que nous tendons progressivement vers un déconfinement total, plusieurs familles ont connu le bonheur d'accueillir un bébé. Pendant leur grossesse, ces femmes qui craignaient d'en mourir, vu leur état vulnérable, n'ont pas succombé face à la pandémie. Le couple Yesso, après 7 ans d'intervalle, a donné naissance à un gros garçon, Josué. La crise a perturbé un peu le moment de consultation parce qu'il y avait plus. Il y avait peur. Il y avait peur d'aller en consultation. À chaque fois qu'il devait aller en consultation, on priait. Mais il n'était pas dans le repos. Il n'était pas dans le repos. Je comptais aussi sur la grâce de Dieu. Il savait que. Il disait au Seigneur, lorsque tu commences, tu achèves. Et que ce n'est pas un homme qui m'a donné. Cette grossesse, c'est dû. Et c'est comme ça qu'il partait en consultation. Même pour l'accouchement, il avait peur d'aller accoucher dans les lieux publics. Et il disait comme ça que le Seigneur nous bénisse avec les moyens qu'il allait partir accoucher dans une clinique. Mais le Seigneur étant souverain, il a conduit ça autrement et tout s'est bien passé. L'enfant est né. Ces mamans sont heureuses et reconnaissantes à Dieu d'avoir traversé victorieusement cette période de grossesse qui n'est pas toujours facile. C'est le cas pour Yvette Kwame qui est accouchée à domicile. Mais par la grâce de Dieu, elle s'en est sortie malgré tous les risques liés à son accouchement. Effectivement, les contractions sont allées très vivement et l'enfant est venu. C'est-à-dire que mon épouse a accouché. Et je dis merci à Dieu pour sa vaillance et sa vigilance. Parce que dès que l'enfant est sorti de son sein, elle a en même temps attrapé l'enfant. Elle l'a mis sur son bras. Et l'enfant, pendant quelques 5 à 10 secondes, a fait les premiers cris. Et après cela, il s'est tué. Ce n'était pas évident que j'accouche à voix basse. C'est-à-dire que ça a été un miracle. Parce qu'on avait parlé de cycleur du cordon. Les couples continuent de faire des disciples, les vrais, à travers les naissances. Chez la famille Nfor, c'est la joie totale. Madame Nfor a mis au monde un garçon, Nathan Nfor, né le 29 mai 2020. Le Seigneur nous a gardés en bonne santé et l'accouchement aussi, le Seigneur a été avec nous. Il a pourvu pour tout ce que j'avais besoin, pour tout ce que l'enfant avait besoin. Lui, on a prié et le Seigneur nous a conduits à sa manière. Et Nfoné Tangwese a vu le jour. Ces bébés font la joie de leurs parents. Les réunions d'enseignement de l'église de Côte d'Ivoire d'ordinaire tenues le mercredi entre 18h30 et 20h30 au hall principal du siège de la CMCI Côte d'Ivoire Cisa Jamais Liberté
ont connu une adaptation circonstancielle. Les frères sont tenus au respect de l'autoconfinement et à l'interdiction des réunions de plus de 50 membres. Mais la parole de Dieu ne peut être confinée. Tout comme l'apôtre Paul s'adressait aux églises par le moyen des épîtres, quand sa présence physique n'était pas possible, les médias modernes sont les moyens alternatifs à travers lesquels les cours de formation des dirigeants spirituels se poursuivent. Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, continue de rendre ministère à l'église chaque mercredi depuis son bureau, tandis que l'équipe de la RTVC se charge de relayer le message sur la dite chaîne de télévision et sur les réseaux sociaux. Au cours de cette période, le prédicateur veille à garder l'église en éveil, préservant les frères de tous les pièges de l'ennemi auxquels ils peuvent être exposés dans une telle période de crise. C'est avec beaucoup d'engouement que les frères se connectent sur les réseaux sociaux et sur la RTVC pour suivre ces riches enseignements du mercredi. Dans les foyers, les frères suivent l'enseignement via la RTVC. Cela est une grande source de bénédiction pour eux, vu que la non-tenue des enseignements ordinaires au siège de la CMCI Cisa Diame Liberté ne leur empêche toutefois pas de recevoir les enseignements hebdomadaires de la part du pasteur Meignet. C'est le cas ici à Bengerville, chez les Dégonzagues. À Kumasi, le frère Nobu Francis est aussi l'un des fidèles qui suivent l'enseignement via la RTVC. Il nous fait part de sa satisfaction tout en invitant les frères à suivre l'enseignement comme lui. Nous sommes régulièrement à la maison et nous voyons les bienfaits de RTVC qui nous permet de suivre régulièrement les enseignements donnés par notre leader, le pasteur Meignet Boniface. Et chaque dimanche même, dans les annonces, j'encourage tous les frères, ceux qui ont la télévision chez eux, de pouvoir suivre l'enseignement du pasteur Meignet le mercredi à 19h. Ceux qui ont aussi peuvent le suivre sur YouTube, sur Facebook. En tout cas, on leur donne toutes les consignes nécessaires. Une nourriture solide que reçoit les saints au cours de cette période à travers les enseignements donnés par le leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, associé à la tenue continuelle des réunions des assemblées. L'église est donc gardée en éveil, les frères sont édifiés et maintiennent la stabilité dans le Seigneur. Oui, malgré ces moments troubles et les effets de la distanciation sociale sur le fonctionnement ordinaire de l'église, les frères persévèrent dans la foi et le service du royaume tout en intercédant auprès du Seigneur pour la fin de cette crise sanitaire. Ce mercredi 3 mai 2020, à l'occasion du cours hebdomadaire de formation des dirigeants spirituels, le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, a entretenu les saints sur le thème « La délivrance au cœur de la rédemption ». Uniquement à travers nos plateformes médiatiques telles que la radio-télévision Voix de la Croix, RTVC, du fait des restrictions liées à la pandémie du coronavirus qui empêche les grands rassemblements. Plusieurs étaient alors devant leur poste téléviseur dès 19h30. Ils nous livrent leur impression après l'enseignement. Ceux qui négligent le combat spirituel sont dans l'erreur. Mais ceux aussi qui pratiquent le combat spirituel sans sagesse sont aussi dans l'erreur. Parce que le croyant et l'Église ont à faire face à des puissances démoniaques, à des puissances des ténèbres. Et le besoin du combat spirituel est très important. Parce que le diable, Dieu a ses plans, Dieu a fait des promesses. Mais cela ne veut pas dire que le diable va applaudir, acclamer et nous regarder comme ça et travailler pour que les intérêts de Dieu viennent à l'existence. Jamais le diable va combattre. Et nous avons le cas de Moïse et le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable a fait tuer les enfants à cause de Moïse, il a fait tuer les enfants également, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le combat spirituel est une affaire réelle. Nos familles, les ancêtres, nos ancêtres, nos patriarches et les sorciers de nos familles ont signé des contrats avec des divinités sataniques. Par exemple, ils peuvent avoir signé des contrats avec les serpents, les pritons, les esprits des eaux. Et donc, c'est comme s'ils nous vendent à ces esprits-là. Donc, pendant le renversement des principaux, ou même quand nous allons prêcher l'évangile, donc quand nous prions pour une âme, ce sont ces divinités sataniques-là qui se présentent. Donc, nous devons d'abord combattre tous ces démons-là avant même de pouvoir prêcher
l'évangile à l'âme. Et en ce moment-là, l'âme est disposée à donner sa vie à Jésus parce que toutes ces divinités sataniques qui la tenaient esclave sont anéanties. Donc le champ est libre pour que l'âme donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je voudrais exhorter mes frères et mes sœurs parce que le message, depuis que nous l'écoutons, est basé sur la préparation de la délivrance, du renversement des principautés et tout ce qui entre dans le combat spirituel. Nous sommes tellement bien, nous sommes tellement fortifiés. Une personne qui veut être délivrée, ou bien une personne qui veut exercer un quelconque ministère pour la délivrance, doit être loyale envers Dieu. Et pour accomplir une bonne délivrance, ou même pour celui qui veut être délivré, il faut qu'il soit loyal vis-à-vis de Dieu. Et sans cette loyauté-là, non seulement le ministère ne sera pas parfait, le but pour lequel la personne doit être délivrée ne sera pas accompli. Je ne dois pas accepter une puissance démoniaque dans ma vie. Et je dois être obéissante et loyale pour une bonne délivrance. Dans l'enseignement que le pasteur a donné, il a beaucoup parlé de la foi. La foi, c'est important dans les moments de délivrance. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire à tout ce qui se fait. Mais quand tu as la foi, tu peux, même si on te dit que tu es guéri, tu acceptes et puis, et puis ça arrive, tout simplement. Il convient de signifier le salut de M. Issouf Ouattara, invité par la sœur de Gonzague de Kumasi, à suivre l'enseignement chez eux à la maison. Après avoir écouté l'orateur, il s'engage sur la voie de la repentance. Ça t'a touché. Ce que le pasteur a dit hier, ça m'a touché. Il a dit que quand tu vis avec une femme et puis vous n'êtes pas marié, votre prière n'est pas exaucée et tu n'es pas sur la bonne voie. Et donc l'homme doit se repentir. Alors j'ai décidé de me repentir et j'étais satisfait de mon pasteur. Il faut aussi noter que ces programmes riches et la revue en baisse actuelle du prix d'abonnement à la RTVC a été l'occasion pour plusieurs saints de s'abonner. Certains nous partagent leur joie de faire partie de la liste des nouveaux abonnés, mais aussi leur motivation et encouragent les autres à emboîter leurs pas. Depuis le mercredi 3 juin, nous avons pu avoir la RTVC et nous avons suivi ça à la télé en direct. L'enseignement du mercredi. Et c'est un moyen vraiment formidable pour arracher les âmes dans la main de Satan. Et les messages sont poignants. C'est des messages qui touchent, qui pénètrent l'âme pour le salut. Moi, pendant cette période de confinement, l'enseignement sur la RTVC m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui fait que je n'ai pas été trop déconnectée. Et donc, nous devons suivre régulièrement ces enseignements-là pour que nous soyons toujours remplis de Dieu, pour que nous soyons toujours en relation avec Dieu et que nous soyons aussi instruits parce que Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. D'accord, donc je voulais dire que la RTVC est une grâce pour nous. Donc j'encourage les frères à s'abonner massivement à avoir la RTVC. Cela va nous permettre d'être tous au même niveau d'information, au même niveau d'enseignement. Et ça va permettre à d'autres frères qui sont dans le besoin de venir suivre la télévision. À la fin du mois aussi, on ne paye pas. Vraiment, ça a beaucoup nous arrangé. Nous n'avons pas assez de moyens. Le pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMC Côte d'Ivoire, a tenu une réunion de travail avec les enseignants-chercheurs, les docteurs et les doctorants de l'Église ce vendredi 10 avril 2020 à la salle polyvalente du siège de la CMC Côte d'Ivoire. Dans le contexte social actuel marqué par la crise de la maladie à coronavirus COVID-19, la réunion s'est tenue dans le respect des mesures barrières. Chaque participant à l'entrée du siège se lave les mains au savon et à l'eau, étant muni de son cache-nez, condition obligatoire pour prendre part à la rencontre. L'enfant de Dieu, c'est le modèle. Nous sommes soumis à ses exigences. Nous avons lavé nos mains. Sans oublier la distanciation de 1 mètre entre les participants conformément à la disposition des chaises et la limitation des participants à moins de 50 personnes.
La rencontre commence alors par une séance de prière dirigée par le pasteur Olivier Louès, président des jeunes et étudiants de la CMC Côte d'Ivoire, préparant les cœurs de chacun à recevoir un ministère. Prenant la parole pour entrer dans le vif du sujet, le pasteur Meunier instruit l'Assemblée sur la responsabilité des enseignants-chercheurs dans la communauté, lançant le mouvement des enseignants-chercheurs pour la conquête des âmes dans les universités. À partir du texte de Daniel, le chapitre 1, le verset 1 à 20, il a fait comprendre à chacun que notre roi, c'est Jésus. Il a besoin de nous et chacun a l'intelligence nécessaire pour le mettre au service du Seigneur. Nous allons opérer en une organisation, un mouvement des enseignants, chercheurs pour la conquête des universités. Il y aura des campagnes, il y aura des conférences, il y aura des projections de films, il y aura des productions documentaires. Sur place, une organisation partielle est mise en place dans le but de répondre à ce grand challenge, à savoir la création d'un groupe WhatsApp permettant à chacun de proposer des stratégies claires, traduisant tout simplement que les soldats se sont déjà mis au travail. C'est avec joie et détermination qu'ils ont répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Leur impression à la fin de la rencontre le témoigne. Nous allons répondre à l'appel de Dieu pour permettre à notre leader d'être dans le repos. Et je retourne d'ici étant satisfait et confiant, et de savoir également que Dieu est avec nous et que nous allons réussir dans les universités. Par l'intelligence que Dieu nous a donnée, par les travaux scientifiques que Dieu nous permet de faire, nous devons pouvoir aussi toucher nos amis, nos collègues, pour leur permettre d'avoir la grâce d'appartenir au royaume de Dieu. Jésus est notre roi, et partout où nous sommes, en tant que des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des docteurs, nous devons glorifier Jésus dans notre milieu, partout où nous sommes. À partir de ces rencontres, il y aura une grande révolution au niveau de la jeunesse, mais qui va commencer à partir de nos universités, de nos écoles, etc. Et nous prions Dieu, que Dieu permette que ces rencontres, de telles rencontres puissent continuer, que Dieu permette effectivement que les différents objectifs de ces rencontres soient atteints. Et enfin, on a des chrétiens scientifiques, on a des chrétiens chercheurs. Et à partir de cet instant-là, on peut dire que l'Église n'est pas pauvre. L'Église n'est pas pauvre, mais que l'Église est enrichie par la recherche scientifique, par les enseignements, par tout ce que nous sommes, des formateurs, des éducateurs. Et là, c'est une très bonne chose, une très bonne initiative que notre Dieu a mis en nous. Et ce matin, il nous a permis vraiment d'avoir ce fardeau-là, d'aller chercher vraiment nos étudiants comme étant les disciples de Christ. Parce que celui qui n'a pas Christ, il n'a rien, il a tout perdu. Déliez-le et laissez-le aller. Telle était la déclaration de Jésus après la résurrection de Lazare. C'est à cette tâche que s'investit l'équipe de délivrance de l'église d'Abidjan sous la direction du pasteur Ernest Traillé. Ministre assistant du pasteur Meunier depuis 2012, il est toujours à son poste avec ses vaillants co-ouvriers, délivrant les âmes tenues captives. Malgré la crise sanitaire que traverse le pays avec les mesures de distanciation sociale susceptibles de réduire le champ d'action, cette équipe n'a pas stoppé ses activités. Jusqu'au 31 mars, nous avons pu faire 43 délivrances. Et du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, le 21 avril, nous sommes à 25 délivrances. La sœur Esther Kalala est l'une de ces 68 personnes qui ont reçu ministère de la part de l'équipe de délivrance. Elle témoigne ici de la délivrance authentique qu'elle vient d'expérimenter. Pendant que la foi est en train de prier, je sentais que je touchais, que je n'arrivais plus à respirer. Après un moment, je n'arrivais plus à respirer, j'ai commencé à étouffer. La toux est venue. J'ai toussé, ensuite j'ai vomi. Et maintenant je me sens bien. Je crois que le Seigneur m'a délivré. Je lui rends toute la gloire pour cette délivrance. Amen. Tout comme la sœur Esther Kalala, nombreux sont ceux
qui ont reçu la délivrance à travers le ministère du brisement des liens. Le frère Yves Degonanvo, avec ses 8 ans d'expérience, est l'un des membres actifs de cette équipe. Il nous confirme que la main puissante de Dieu est effectivement à l'œuvre pour délivrer les captifs. Dieu agit puissamment dans cette équipe. Nous avons délivré beaucoup de frères qui sont enchaînés et libérés totalement. Le Seigneur a libéré les frères depuis 2012. Nous avons vu la main de Dieu dans cette équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Ces grands résultats et témoignages de délivrance authentique enregistrés proviennent aussi d'un soutien efficace d'une équipe engagée à intercéder pour porter le ministère et les ministres de la délivrance en vue du succès de cette entreprise. La prière étant le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu, comme le disait le professeur Zacharias Tanefoumoum, elle demeure donc indispensable pour le succès de tout ministère spirituel. C'est ce qui explique la fidélité de ces intercesseuses qui n'ont pas baissé les bras malgré l'impact de la pandémie du COVID-19 sur leur programme habituel. Composées d'une 30aine de personnes, elles se réunissent chaque lundi pour accomplir fidèlement leurs tâches, comme l'explique la sœur Ori, dirigeante de cette équipe. Nous sommes à la chambre de prière qui se réunit tous les lundis de 16h à 20h. Mais compte tenu de la situation, nous nous réunissons tous les lundis de 14h à 17h. Et nous sommes une 30aine de sœurs qui nous réunissons ici pour intercéder, pour crier à Dieu et pour les ministres de la délivrance et pour les âmes à délivrer, pour le brisement de liens du mardi. Malgré cette crise sanitaire qui a conduit à plusieurs restrictions dans les programmes habituels de l'Église, les ministres de la délivrance n'ont pas été refroidis dans leur fardeau pour la délivrance des âmes. Bien au contraire, nos vaillants soldats sont davantage zélés pour délivrer les captifs et renvoyer libres les opprimés, et ce, dans le strict respect des mesures contre le COVID-19.